nouvelle vidéo et que je suis en train de faire. Ah oui, je vais prendre un jus d'orange. Il est 1h20 du matin. Oui, oui, oui. Je suis morte. Je suis morte, morte, morte. Mais bon, c'est la vie. On est le 29 décembre. Donc, comme je vous disais, on va à Washington. Donc, voilà. Avec nous pour cette journée. Je vais éclater. Bon, bref, j'espère que on va tenir correctement pour la journée. Je prends mon petit jus d'orange. Je vais me prendre une douche en 2-3 mouvements. Et je vais me préparer. Et puis voilà. Bon, on vient enfin de sortir du train. On vient tout juste d'arriver à Washington. Il est du coup 6h30. On est éclaté sa grand-mère en string. Surtout moi, parce que moi j'ai dormi, je crois, grand maximum 10-15 minutes à tout casser pendant 3h30 du coup du trajet. Alors que le petit bébou là, il a bien dormi, n'est-ce pas bébou? Bref, donc du coup là, on se dit qu'à cette heure-ci. Il n'y a peut-être pas grand chose à faire, donc du coup on va essayer de trouver style un dinner, enfin un truc vraiment typique pour pouvoir prendre un petit déjeuner. On va voir si on trouve quelque chose. Tout est fermé? Ça ouvre à quelle heure? 7h quand même, non? Quoi? Là c'est écrit 11h. Oh merde. Bon bah on verra bien, sinon on va prendre un café ici. J'ai grave la dalle moi, je suis au bout là. Bon, on va essayer de trouver quelque chose et puis je vous dis si jamais on trouve. C'est plutôt cool parce que on est un peu seul à cette heure-ci. C'est assez cool à Washington. Et puis là, on est au Capitole et c'est juste magnifique. C'est quoi des qui? J'en sais rien, moi, tu m'en poses des questions. Et là, il y a du brouillard aussi, donc c'est trop joli, je trouve. Je sais pas si vous allez réussir à voir, je pense que si. Et c'est juste gigantesque le Capitole, c'est sublime quoi. Je sais pas combien elle fait la statue tout là-haut là, de mètres, mais elle doit être vraiment immense. Puis c'est magnifique. Et c'est vraiment génial de se promener en fait à cette heure-ci parce que en soi il n'y a personne, donc c'est assez cool. Voilà.
se fait littéralement survoler par des... des mouettes. Ils volent juste au-dessus de nous, ça va nous faire caca dessus. Calmez-vous, mesdemoiselles. De mes yeux, parce que... Ah ! Ah, mais il m'a dégoûté, lui. Il a chié dans... Mais bouh ! La mouette, elle a chié dans l'eau et après, elle allait bouffer sa merde dans l'eau. La mouette, elle a fait caca dans l'eau et ensuite, elle a plongé pour aller la bouffer. Ça m'a dégoûté à vie. Hein ? C'est pas vrai, il mange pas son caca. Vous arrêtez, Julien, il a atteint de se saouler avec ça. Il faisait ça quand il était petit. Il le fait plus manger son caca, Sam. C'est un gros garçon maintenant. Ouh là là. Non, maintenant il mange les déchets. Non. Si ? Non. Non, il l'a fait de temps en temps, mais il le fait plus. Si, alors là. La litière, à chaque fois qu'il reste un peu dans le salon, la litière, elle coupe. Bah, c'est très bien. Au moins, c'est un chien qui fait le ménage. Multifonction. En plus d'être mignon, il bouffe les merdes. Voilà, on commence à avoir des photos belles, putain de merde. Je suis rousse, oui, je suis rousse. Pas rousse. Mais c'est pas trop ce que je voulais. Ah, t'es rousse. Mais t'es une vraie chouin. Je vais parler. Mais va te faire voir. Putain, mais t'es tarpin rousse. Mais oui, je tarpin rousse, regarde-moi ça. Wouah, on dirait Paul de Carotte, quoi. T'es jaloux, arrête un peu. Hein. Moi, je pense que ça je vais pas dépenser 150 euros par mois. Je supporte plus d'avoir des racines quand je suis blonde, donc... Quoi ? Bah, si tu préfères avoir de la rousseur que des racines. Bah, excuse-moi, mais en étant blonde, il faut se refaire faire les trucs tous les deux mois. Ce que je ne faisais pas, puisque j'y allais que deux fois par an. Donc je me tapais des racines comme ça, et je pouvais pas saquer le fait d'avoir des racines comme ça. Donc au bout d'un moment, il y en a marre. Et puis, je m'aime bien comme ça. En plus, les gens, ils ont voté en sondage. C'est des vues plus longues. En sondage, il y avait beaucoup plus de personnes qui ont voté brune que blonde. Je suis navrée pour toi, Bébou. Mais tu as perdu. Tu as perdu. Tu es le seul qui ne m'aime pas en brune. Si. Tu passes ta vie à dire... Donc tu... Ah, t'assumes enfin. T'assumes enfin que tu ne m'aimes pas en brune. Ouais, ouais, c'est ça. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Je savais que t'étais un escroc. T'es trop méchant. Je rigole. Non, tu rigoles pas. Oh, oh! Putain, ça fait une trop belle lumière là avec le soleil. Le jour s'est levé. Oh là là! Oh là là, il vient chercher à bouffer! Oh my god! Sur le bord du Nil. Vas-y, je t'écoute, Bébou. C'est plus blanc, je me dirais Vampire. Vampire Diaries. Ah, oh, c'était sûr qu'elle allait faire chaud. C'est sûr qu'elle est morte. Vas-y, chante, Bébou. Ah, les crococos, les crococos, les crocodiles sur le bord du Nil. Non ? On a fait le tour de Washington, on a vu la Maison Blanche, etc. Et je ne vous ai pas filmé tout simplement, on a fait ça à vélo, tout simplement, voilà. Et donc du coup, voilà, mon chéri a pris quelques photos, je pense qu'on y retournera de toute façon tout à l'heure et on ira à pied et puis je vous filmerai tout ça. Il y a vraiment des sublimes monuments ici, des bâtiments magnifiques, etc. C'est vraiment super et en plus il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça aussi c'est plutôt cool.
Et donc là, on va faire le musée de... qui s'appelle Hair and Space Museum, je crois. Enfin bref, vous avez tout ce qui est, je pense, fusée, avion, hélicoptère, tout comme ça, je suppose. Et puis voilà, on va voir si c'est sympa ou pas, je pense. Mon chéri a absolument envie de faire, il adore tout ce qui est avion, etc. Donc du coup, on va faire ça. Et là, on attend en fait l'ouverture, parce qu'il est que 9h30, c'est à où dans 30 minutes. Mais bon, on attend déjà devant. Comme ça, on est sûr de ne pas faire la queue pendant 30 milliards d'années. Mais bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde, donc je pense que ça devrait aller. Et puis voilà, et après, après avoir fait ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que ça va durer 1h, 2h, 3h, je ne sais pas comment... Enfin, il est immense le truc, mais je ne sais pas dedans tout ce qu'il y a à regarder. Et puis après, on refera, je pense, le tour de Washington, mais à pied. Du coup, enfin vers la Maison Blanche, etc. On fera tout ça à pied, comme ça je filmerai un peu plus. Il faut absolument que je charge mon téléphone parce que dans le train j'avais la wifi, donc du coup je l'ai beaucoup utilisé. J'ai plus que 17% de batterie et normalement on a une batterie externe, donc j'espère que elle va bien charger mon téléphone. Et donc voilà, voilà. Bon, on vient de sortir du musée qui était assez sympathique. Et puis, du coup, entre temps aussi, on est allé manger. Donc, le restaurant, il s'appelle B en gros. Et en gros, il s'appelle B parce que c'est burger, beer et je sais plus quoi. Bourbon. Bref. Enfin, B d'ailleurs, ça doit dire B. C'était très bon. Moi, j'ai pris un hamburger, j'avais envie d'en prendre un peu original. Donc du coup j'ai pris un burger avec un espèce de steak au... Non. Putain, ce bouton c'est plus possible. Je rigole, personne. Mais je peux pas, j'ai voulu le faire dans les toilettes, il y avait 3 personnes. Fallait aller chez les mecs. Pourquoi tu me complexes? Alors que j'ai un bouton. T'as vu ta tête toi? Et j'ai pris donc du coup un burger avec un espèce de steak au poulet, de la mozza, des tomates séchées et une espèce de sauce style comment ça s'appelle, le pesto quoi, enfin un truc un peu dans ce style là, enfin avec des herbes quoi, c'était très bon. Et puis avec des frites, et les frites étaient super bonnes. Ok. Et le petit bébou, il a pris un, comme d'habitude, en fait je sais même pas pourquoi à chaque fois il essaie de réfléchir alors qu'il prend quasiment tout le jour la même chose, c'est-à-dire un cheese avec... Tais-toi ! Un cheese avec... Ta gueule ! Arrête ! Un cheese avec du bacon ! Voilà, un cheeseburger avec du bacon. C'est toujours la même chose. Il prend toujours la même chose. C'est un peu malade.